de chance que cette personne se sourie. Ou alors, qu'elle te dise bonjour. Ou alors qu'elle vienne te parler. En tout cas, j'aimerais bien que tu fasses cette expérience pour moi. Sourire à quelqu'un, gratuitement, dans la rue. Voir sa réaction. Et tu me diras ce que tu as ressenti. D'accord? Merci beaucoup. Tu me diras demain en live. D'accord? Petite expérience. Alors, petit truc. Il y a aussi cette petite boîte. Clac. Alors celle-ci, tu la connais? C'est une boîte. Un truc où je mets mes cartes. Quand je fais des conférences ou autre, je mets mes cartes. ASMR avec la moitié du truc derrière est faux. Facebook, j'ai arrêté. Twitter, j'y vais jamais. Snap, de moins en moins. Il n'y a que Instagram qui tient. Donc, peut-être que je les actualise. En tout cas, ils m'ont passé une petite boîte pour ranger mes cartes. Et cette boîte, elle fait un son. Juste exceptionnel. Exceptionnel. Au fait, tu me poses aussi la question. C'est quoi mes micros? Ce sont des Rode. R-O-T-E. S. Non, pas S. Ce sont des Rode, en fait. Donc voilà, s'il y en a qui ne savent pas, il y en a quelques-uns qui me demandent la référence de mes micros. Et puis tant qu'on y est, je filme avec le Nikon D810. Un full frame, pour ceux qui connaissent. Beaucoup mieux que Canon. Je rigole. Oui, parce que t'as la monde de la photographie. C'est un peu comme Apple et Samsung. Ça. Après, on a un tapping bien plus dur. Le téléphone. Alors, c'est un tapping que j'aime beaucoup. Mais le bruit est complètement différent. C'est pas un bruit sourd. Non, c'est un bruit dur. Thank you.
J'adore ce bruit-là. Mais c'est un bruit dur qu'il faut pas trop insister, parce que sinon ça lasse. Du coup, on va arrêter là et on va reprendre avec un bruit plus sourd. Alors, je sais pas si on peut entendre. À l'intérieur, c'est de la fourrure de chat. Non, je déconne. Non, c'est de la fourrure de. Non, c'est même pas de la fourrure. C'est... Je pourrais même pas te dire ce que c'est. C'est tout. C'est de la fourrure synthétique. D'accord, je fais des tests. S'il y en a une qui est bien, voilà. Mais ne t'inquiète pas, s'il y en a une qui va pas, une photo qui va pas parce que tu te trouves pas beau ou belle dessus, c'est pas grave. D'accord, je la supprime, on recommence. Oui, il faut pas que tu stresses, ne te prends pas la tête, d'accord. Ça c'est une poire, ça sert à nettoyer le capteur, mais aussi l'intérieur du capteur, les miroirs de l'appareil photo. Parce que quand ça s'accumule, la poussière elle vient et on fait des photos un peu floues, tu comprends? Donc voilà, c'est important de voilà, tout régler. Voilà, tu vois, mais quand tu mets un petit coup de pinceau ici, hop, toute la poussière elle s'en va.